Bonjour tout le monde, ici Keto de Sorlartan en France. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur SAO Integral Factor aujourd'hui pour une multi-invocation en espérant de choper du lourd aujourd'hui. Ça serait cool parce que j'ai qu'un seul 4 étoiles sur ce reroll, même si la 4 étoiles est super extra cool. Ça serait bien d'en avoir un petit peu d'autres. Donc tout d'abord, cette vidéo est aussi un test qu'il y a encore le son. Mais cette fois-ci, je l'ai mis vraiment au plus bas possible. Pour voir si ma voix prend le dessus et qu'on entend aussi le son. C'est vraiment un test. Si on voit que le son du jeu est moins bon, enfin très très basse comparé à ma voix, j'augmenterai d'un cran. Comme ça, à chaque fois, on trouvera donc le juste milieu pour la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. On y va dans le menu. On y va. C'est parti. Du coup, alors, shop. Quelle invocation va-t-on faire aujourd'hui, du coup? Est-ce que je vais faire l'invocation là-dessus? Avec une rapière, sword. Donc là, il y aurait deux attaques. Ensuite, il y a celle-là, celle-là. Et puis, bien sûr, celle-là où on a la blane pour récupérer, forcément. On n'a que ça, du coup, là. Ok. Ok. En fait, il n'y a que ça ici. Et Mais là, au moins, on est sûr de choper quelque chose. Enfin, quasi. Enfin, c'est plus quasi sûr. Parce que, comme vous le savez, il y a tous les 4 étoiles qui sont dedans en fait. Donc, jusqu'à ce que ce portail là se barre, je pense que je vais invoquer dessus. Hein. Si on veut vraiment démarrer avec pas mal de 4 étoiles, vaut mieux invoquer ce portail, je pense. Allez, c'est parti, on y va, j'invoque là-dessus, tant pis. Go! S'il vous plaît, je voudrais un petit peu de chance. Un peu plus de chance que sur Memory des Frags, ça serait cool par contre. Alors. Donc on commence avec... Rouge. Ah, donc 3 étoiles. Donc Yuki. Yuki 3 étoiles. Bon, je la vois un petit peu enrouée, hein, mais je suis désolé. Mais ce sera pour pareil. Attention, encore un 3 étoiles, peut-être un 4 étoiles. Eh non, ce sera un 3 étoiles. Egil. 2-3 étoiles pour commencer, c'est déjà pas trop mal. Ah, 2 étoiles. Klein. Allez, à 4 étoiles, s'il vous plaît. Ah, encore 2 étoiles. Silica. Allez. Allez. Et non, encore 3 étoiles. Argo. Il y en a 2 étoiles, Asuna. Et 2 étoiles, Klein. Allez, donnez-moi un 4 étoiles au moins, ce serait cool. Et encore 2 étoiles, Silica. C'est pas top top là, encore une fois. Allez, celui-là c'est la bonne. Et non, encore un 3 étoiles, Lisbeth. Allez. Et non, Klein. Allez, peut-être. Yes, une 4 étoiles. Donc Egil, d'accord, Egil 4 étoiles. Ouf! Sur la fin, donc ça me permettra de développer une deuxième compétence, enfin une deuxième arme. Parce que j'avais pas d'attaque. Donc là on a Egil, donc ça nous fera une petite attaque pour changer. Et ça m'aidera donc pour les...
qu'on appelle ça. Pour mettre de nouveaux skills, en fait. Voilà. Ah, c'est génial. Egil. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me rien donner du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout récupérer. Hein. Donc là, on va faire la limite break, etc. Voilà. Ok. D'accord. Le clone, on l'a déjà eu des milliards de fois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'équipement. Faudra donc que je crafte du coup une hache. Non, pas équipement, c'était pas là non plus. Du coup, dans player équipement. Dans le deuxième set. Dans le deuxième set, il va falloir donc mettre une hache. Donc la hache qui est là de base pour le moment. Donc ça, je vais me remettre là. Voilà. Voilà. Et donc ici, s'équiper avec des attaques de hache. Donc bien sûr, le Egil. L'autre Egil, hein, parce qu'il y a une autre attaque qui est plutôt pas mal du coup. Ici. On va mettre ça. Là, c'est ce qu'on peut mettre. Hein. De toute façon. Hop, et enfin celle-ci. Voilà. Très bien. Donc là, c'est équipé. On a tout ce qu'on a. Ici, non, c'est pas là que je voulais aller voir. C'est dans les armures. Donc là, bien sûr, ça, ça, ça. Ici, on va mettre des 3 étoiles. Parce qu'on a eu pas mal de 3 étoiles, je crois. Voilà, donc ici, Yuki, par exemple. Hop. Lisbeth. Voilà. Comme ça, au moins, ça, c'est bon. Dans le set 1, on va remettre... on va changer les 2 étoiles ici. Et on va mettre les 3 étoiles aussi. C'est-à-dire Yuki. Hop. Lisbeth. Voilà. Comme ça, là, on est pareil. Ça marche. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc il faudra juste que je me refasse une nouvelle hache, hein, bien sûr, parce que vu que j'avais pas de hache à la base. On va aller voir ce que fait le nouveau skill. Tiens, je vais aller voir un petit peu. Juste pour tester comme ça. On va tester sur une des fleurs là. Ah. Eh ben, on testera pas parce qu'il y a un bug. Et si je redémarre le jeu, la cam se coupe. Donc, je vous le montrerai plus tard. C'est pas grave. Bon, je vous laisse. C'était une bonne multi quand même. Enfin, même si on aurait pu espérer mieux, mais au moins, on part pas bredouille. C'est déjà pas mal. Allez, c'était Kirito. Je vous dis à la prochaine. Salut!